Bonjour, bonsoir tout le monde. Comment nous? Bienvenue de nouveau sur channel Nelson Tubla pour une nouvelle vidéo. Ça fait quelques semaines que nous tous nous avons parlé de ça. Un jeune d'origine haïtienne qui a évolué dans l'équipe BFC Barcelone. Monsieur le Conrad de la Fuente. Mais dans la vidéo aujourd'hui, je viens parler de monsieur. Et déjà, sur mes idées, pas oublier, by vidéo un like, quittez un commentaire et puis partagez pour un autre monde qui peut avoir une chance de regarder la vidéo pour vous regarder. Bonjour monsieur, c'est Conrad de la Fuente. Monsieur fait le 16 juillet 2001. Monsieur gagne 18 ans. Monsieur fait Miami, Florida, aux États-Unis et il mesure 1m70. Actuellement, monsieur a joué dans l'équipe BFC Barcelone. Monsieur commence à jouer pour l'équipe junior États-Unis. Il est relégué dans la sélection États-Unis pour la Coupe du Monde moins de 20 ans qui était faite dans le pays Pologne. Et il a commencé tout match jusqu'à ce qu'il ait été éliminé dans le quart de finale face à l'Équateur. Il est de nationalité haïtienne et il a un passeport espagnol. Parents c'est haïtien. Conrad est allé en Espagne depuis qu'il a 10 ans. Cause papa a joué un job dans l'ambassade Haïti qui est en Espagne. Le 1er décembre 2018, là, monsieur était joué premier match pour l'équipe FC Barcelone BA. C'était en face Valence et il a joué 12 minutes seulement. Et dans la dernière minute, monsieur était fait un pénalty. Mais dans la dernière minute, il y a un joueur qui est Ronald Araujo qui a égalisé. Et match a fini DAD. Monsieur était titulaire pour la première fois, c'était le 15 décembre 2019. Dans un match qui était opposé à Barcelone BA en face FC Nucia. Il était remplacé par Dani Morel dans la 70e minute de jeu. Et Barcelone était battu match à 3 goals à 1. Le 28 juin 2021, Barcelone annonce qu'il a renouvelé le contrat jusqu'en 2022. Il a mis 2 ans sur lui encore. Il fait partie d'un joueur qui va toucher 50 millions d'euros. Et il a touché plus toujours si un jour il a vu arriver jouer dans l'équipe AFC Barcelone. Il joue pour sélection U16 là, U18 là et puis U20. Il était joué mondial moins de 20 ans avec sélection dans l'année 2019 là qui était fait dans le pays Pologne. Côté était arrivé dans le quart de finale et était éliminé par le pays Équateur. D'après The Zone, qui c'est un journal anglais, si Conrad continue à progresser, les cas viennent dans le meilleur joueur Barcelone B. Et monsieur dit, le plus gros idole lycée Ronaldinho Gaucho. Il n'y a pas de grosse sélection. C'est ça qui fait pour le moment monsieur libre pour choisir pour qui pays il veut jouer. Tant que monsieur a choisi de jouer pour États-Unis, qui est le pays de naissance, il a choisi de jouer pour Espagne, qui est le pays qui présente le monde de football là, et il a choisi de jouer pour Haïti, qui est le pays parent. C'est ça qui fait pour le moment Conrad libre pour choisir dans n'importe quel pays qui pour qui est-ce qu'il veut jouer. D'après moi-même, je souhaite monsieur jouer pour Haïti, mais ça c'est une décision qui appartient simplement avec Conrad. Il n'a pas de décision monsieur jusqu'à présent. Il y a beaucoup de monsieur pour la sélection américaine. C'est ça que fait pour le moment monsieur libre pour choisir pour qui pays libre les jouer. Merci d'être nous aider dans la fin de la vidéo. Et si nous avons regardé toute la vidéo, c'est parce que l'idée intéressée nous. Déjà, un grand merci pour tout fanatique, pour tout le monde qui est toujours abonné avec la chaîne. N'a pas oublié. Souffrez, écrivez sur la chaîne, n'a pas oublié. Abonnez, quittez un like, quittez un commentaire et puis partagez la vidéo pour un autre monde qui peut courir. Car ouais, déjà, un grand merci pour nous tous. Ciao, ciao. N'a pas encore dans l'autre vidéo.